Qu'est-ce que l'établissement public foncier d'UBFC? C'est simple. À la demande d'une collectivité adhérente, mairie, communauté de communes ou agglomération, l'EPF va intervenir pour l'accompagner dans son projet d'aménagement du territoire et plus précisément en amont de la phase opérationnelle. Il va pouvoir apporter à la collectivité une aide précieuse, que ce soit pour l'étude du projet, l'achat du terrain, qu'il soit bâti ou non, sa remise en l'état ou bien encore son financement. L'EPF d'UBFC négocie et réalise l'acquisition d'un bien à la place de la collectivité. C'est un vrai plus si celle-ci ne possède pas encore le budget nécessaire à la réalisation du projet ou que son projet n'est pas totalement défini. L'EPF, propriétaire et gestionnaire temporaire du bien, signe alors une convention de portage avec la collectivité. Durant cette période, la collectivité affine son projet dans la recherche de financement ou dans le choix de l'aménageur, tout en continuant de bénéficier de l'expertise de techniciens de l'EPF d'UBFC. Montage juridique des dossiers, ingénierie foncière, définition judicieuse du projet final, etc. L'EPF facturera des frais de portage réduits, bien au-dessous du coût réel, grâce à la taxe spéciale d'équipement. Une fois le projet défini et le budget finalisé, l'EPF rétrocède le bien au même prix et sans plus-value. La collectivité peut ainsi lancer l'opération d'aménagement dans les meilleures conditions. L'EPF d'UBFC finance en grande partie l'ensemble de ses acquisitions grâce à la TSE, la taxe spéciale d'équipement. Les élus du territoire qui composent l'Assemblée générale de l'EPF d'UBFC votent son montant. Ensuite, cette taxe est payée par les habitants et les entreprises des communes qui adhèrent à l'EPF. L'outil EPF d'UBFC procure donc plusieurs avantages. Un outil dédié à l'action foncière maîtrisé par les élus, des équipes délivrant une expertise foncière de grande qualité. À titre d'exemple, la compétence en matière de droit de préemption que possède l'EPF va permettre à la collectivité d'acquérir des biens en priorité et à leur juste prix. Le rôle de l'EPF est de réguler et de lutter contre la spéculation foncière de manière à ce que tous les ménages puissent se loger à des prix abordables. Autre avantage de l'outil EPF, une autonomie et une capacité financière permettant le financement des acquisitions dans des délais rapides. Enfin, l'EPF n'interviendra que si le projet présente un intérêt pour la population. En effet, l'EPF d'UBFC, qui travaille en étroite collaboration avec les collectivités adhérentes, est l'outil foncier par excellence pour anticiper et réguler intelligemment l'aménagement du territoire.